Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période de septembre, du 1er septembre au 15 septembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo afin de réserver. Non, le deuxième lien. Cliquez sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance avec moi, ok? Alright. So, maintenant, on va voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you. Supposed to be now, and I let the light shine on me. Ok. Les Capricornes, pour une partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire peut-être à quelqu'un qui pratique la divination. Pour d'autres, si ce n'est pas, you know, si vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui pratique la divination, sûrement que vous-même vous pratiquez la divination. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes médecin spirituel, chaman, ou encore simplement un simple docteur, ok? Mais pour certains patients, vous, j'ai beaucoup l'impression qu'il y a ici un certain pouvoir plutôt mystique autour de vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez votre troisième œil ouvert. Pour une autre partie, dans vous, vous êtes même... Eh, mon ongle! Essayez de ne pas trop remarquer mon ongle, ok? Je vais utiliser ma main gauche. Whatever. So, pour une partie d'entre vous, pour une partie d'entre vous, il est probable que vous êtes peut-être, je ne sais pas, sûrement célèbre, pour une partie d'entre vous, mais pour d'autres, vous êtes très respecté dans le... vous êtes respecté non seulement dans le monde spirituel, mais vous êtes aussi respecté dans le monde normal. Pour une partie d'entre vous, vous avez votre troisième œil ouvert as well. Et il est probable qu'on est ici dans une situation où il y a beaucoup de choses qui ont commencé à se révéler à vous. Il y a beaucoup de choses que vous avez commencé à réaliser. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que... Ok, pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui commence à s'intéresser à la spiritualité. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire. Mais je vois ici quelqu'un qui commence à s'intéresser à la spiritualité, qui commence à s'intéresser au mysticisme. Là, là, les gros mots. Ouh, Molia n'est pas mon père. Je vous ai bien dit, si vous savez que c'est vrai, n'hésitez pas à vous procurer un petit t-shirt juste en bas de la vidéo. Arrête. Anyway, je continue. Si vous êtes spirituel, j'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui est intéressé par ce que vous faites. Vous avez ici un partenaire qui veut même apprendre ce que vous faites. Ou encore quelqu'un peut-être qui vous espionne. Ou encore quelqu'un peut-être même qui aimerait avoir une guidance de tarot sur vous. As well. Mais pour une autre partie, je vois ici quelqu'un qui a besoin d'une certaine vérité qui vous concerne, ou encore c'est vous qui cherchez à avoir une certaine vérité qui concerne votre partenaire. Mais si jamais il y a une vérité que vous voulez ici apprendre sur une personne, j'ai l'impression que c'est par rapport à un secret. Pour une autre partie, vous avez ici l'impression que votre partenaire vous cache quelque chose, que votre partenaire ne vous dit pas la vérité sur quelque chose. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes aussi spirituel, il est probable que vous êtes très stable financièrement as well. J'ai l'impression que vous ne quémandez pas. Vous vous débrouillez plutôt bien dans ce que vous faites. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici docteur ou encore avocat, j'ai aussi l'impression que vous êtes à la tête de vos finances. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un en tout cas qui est très respecté dans son milieu de travail.
Mais on est ici dans une situation où j'ai l'impression que c'est votre partenaire qui veut avoir quelque, qui veut savoir quelque chose sur vous. Et puis c'est une partie dont vous avez ici votre partenaire peut-être qui veut en savoir un peu plus sur vos finances. Et pour d'autres, vous avez ici un partenaire qui veut en savoir un peu plus sur votre spiritualité si vous êtes chaman ou something. Ok? C'est pour une partie dont vous êtes probable que très bientôt on a carrément ici quelqu'un qui va commencer à vous espionner pour d'autres. On a quelqu'un qui vous espionne déjà. On a quelqu'un qui vous regarde déjà. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous étiez dans une relation avec un partenaire, mais vous aviez ici un partenaire qui ne savait pas que vous étiez stable. Vous avez ici un partenaire qui ne savait pas que vous aviez de l'argent. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez décidé d'être au-devant même de tout ce que vous avez accompli. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez déjà, vous vous êtes carrément déjà créé tout un empire à vous. Vous vous êtes créé un empire. Et vous continuez de construire cet empire brique par brique. Alright? Et il est probable que pour essayer d'atteindre les échelons, pour essayer d'atteindre la première place over here dans votre carrière, vous avez carrément besoin peut-être d'avoir un poker face ou encore vous avez carrément besoin ici de ne pas vraiment exhiber vos émotions. Non seulement dans votre milieu de travail, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que certaines choses que vous vous êtes créées dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, vous permettent un tant soit peu de contrôler vos émotions au dernier degré de leur capacité. Personne ne peut savoir quand vous êtes émotionnel, personne ne peut savoir quand vous êtes en peine, peut-être qu'ils peuvent savoir quand vous êtes joyeuse, alright? But j'ai l'impression que vous savez maintenir vos émotions. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez commencé à travailler sur votre anger issues. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous aviez ici des crises de colère dans le passé. Vous vous mettiez vite en colère, les gens vous énervaient beaucoup. Mais j'ai l'impression que maintenant, vous avez beaucoup plus le contrôle de vos émotions. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui voudrait voir un thérapeute. Ou quelqu'un qui se laisse carrément guérir par l'astrologie ou la divination. OK? Et ce qui est intéressant dans votre lecture, c'est que il n'y a que votre énergie over here. Ce président partie d'entre vous, il est probable que pendant que vous essayez d'être vous-même, pendant que vous essayez ici de rester fidèle à votre personne et de vous développer en tant que personne. Vous avez ici un partenaire qui a commencé à vous observer, prêter un peu plus attention à vous. Parce que c'est la partie dont vous le probable que dans le passé, vous aviez ici un partenaire vraiment like, qui ne vous regardait pas. Genre, like, il ne vous regardait pas. Il n'essayait pas de savoir ce que vous faisiez, ce que vous étiez en train de devenir, les choses sur quoi vous travaillez, les choses que vous essayez de développer. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, vous avez aujourd'hui un partenaire qui a commencé à prêter un peu plus attention à vous. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas que vous êtes observé. Vous ne savez pas que celui que vous aimez vous regarde. Vous ne savez pas que celui que vous aimez aujourd'hui vous admire. Surtout si vous n'êtes plus la même personne qu'il avait laissée hier. On a ici quelqu'un qui se rend compte que vous êtes devenu une autre version de vous-même. Peut-être même un gros calibre qu'il risque d'avoir un peu de mal à séduire, encore une fois. Parce que je vois ici quelqu'un qui veut chercher déjà à venir séduire les gens. Tu restes là-bas. Bref. Ok, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les vierges, les poissons. Et c'est tout. Bisous, bye.